Quelle était l'ambiance dans le vestiaire? Oui, c'est une ambiance. Tout le monde est content parce que nous réussissons à l'objectif de qualifier l'équipe et avec un gros match. Grande première mi-temps, nous presser à tout le terrain l'adversaire, ne pas laisser City jouer, nous faire deux buts. Après, deuxième mi-temps, un peu plus équilibré. Pour ça, il restait 1-1, deuxième mi-temps. Mais je crois que une analyse de les deux matchs, le match aller et cette match aujourd'hui, Monaco, c'est une équipe qualifiée avec les mérites. Je crois que nous, ces deux matchs, nous jouons meilleur d'Occitanie. So what are your feelings after the in the locker room after the game? Everybody is happy. We succeed to our goal where we are qualified. In the first half, we play very well. We with high pressing and we managed to score two goals. Second leg was more tight. But if I speak about the first leg and the second leg, I can say that AS Monaco deserved to qualify for quarter final. Est-ce que c'est la première mi-temps la plus parfaite de l'AS Monaco Non, je ne sais pas si c'est la plus parfaite. C'est une première mi-temps que notre objectif, c'est clair. Si nous pensons en qualifier, je parle pour les joueurs, si nous pensons en qualifier, nous sommes fraîches au début du match. Nous va presser tout le terrain, qu'on ligne haute, il n'est pas laissé toucher le ballon. Et c'est ça qui s'est passé. Il n'est pas touché le ballon, premier mi-temps. Après, deuxième mi-temps, plus difficile, parce que ce n'est pas une équipe pour le monde qui arrive à faire 90 minutes de pression haute. Et après, la profondeur de la banque aujourd'hui, vous savez bien qu'à manquer d'attaquants, c'est le jeune Cardona qui est là. Et les excentrer seulement dira. Mais je nous fais le notre match et je crois que l'équipe qualifiée très bien. Pour ces deux matchs, nous jouons plus que City. Même le match aller, je crois que City a la chance. Aujourd'hui, je crois que la victoire 3-1 c'est mérité et Monaco maintenant c'est pour le quart final. The first half was perfect. It's the best first half since you are in Monaco. I don't know. In first half, our goal was to put a high pressing with a high defensive line to put pressure on City. We managed to do it. In the second half was more difficult because it's not possible to do a pressing with the same intensity during 90 minutes. And on the bench, we didn't have forwards, only Cardona with a young player. And if I consider the two games, it's Monaco, it's deserved his win and his qualification because after the first game, we can say that City win with a little of luck. And today, Monaco deserved to win, so it's a deserved qualification. Vous avez dit qu'il faudrait marquer 3 buts pour se qualifier. C'est une belle prédiction au final. Oui, je sais que je connais l'adversaire normalement et je sais que ce n'est pas facile de rester 0 but. Avec la pression que nous va faire, à l'adversaire c'est difficile parce qu'il a une très bonne transition, il a joueur de qualité devant. Nous sommes les meilleurs attaquants du monde, mais il a aussi también de bons joueurs. Et je connais ça, je parle pour le jour. Peut-être qu'ils vont faire un but. Ils vont arriver en transition vite et ils vont faire un but. Mais nous, si fait 3, je crois que nous va qualifier. Je crois que le joueur
prenez ça pour la tête et ils croient et c'est bien. Et maintenant, ils sont là tout contents à fêter. So before the game, you told that to qualify, you will need to score 3 goals. It's a good prediction. Yes, I knew the team of City. It's difficult to play against them and not concede goals because they are very, very strong in transitions. But we are the best attacker of the world. And when I told my players that if we scored 3 goals, we were qualified, they believe. And they play well and now they are happy. Le fait de gagner avec la manière, est-ce que quelque part c'est plus fort que de ce que vous aviez fait contre Arsenal il y a 2 ans? Et est-ce que c'est le plus grand jour de votre carrière à vous? Non, je trouve que c'est un gros match. Nous faire aussi 3-1 à Arsenal, il nous fait un gros match aussi. Je crois que nous réussissons bien avec les équipes anglaises. C'est les dernières 12 années, nous éliminer Arsenal, nous éliminer maintenant City, nous éliminer Tottenham, c'est une grosse équipe aussi. C'est un gros match de mon carrière aussi, mais je n'ai pas les premières et j'espère que ce n'est pas les dernières. 2 years ago, you beat Arsenal and today City. Is it your best moment of your career? I don't know. It's a big game. When we won 3-1 against Arsenal, it was a good moment too. But against English teams, we have good results. We eliminate Arsenal, City, and Tottenham, three strong teams. Today is one of my best moments as a coach, but I hope it won't be the last. Coach, bonsoir. Grâce à votre succès, vous avez aussi redoré l'image du football français. Vous en êtes conscient? Oui, bien sûr, parce que. À 2 années, nous restons les deux nos cartes finales. Cette année, c'est seulement Monaco qui va jouer les cartes finales. C'est plus cette charge, c'est la représentation aussi du pays, le pays de foot. Moi, je suis toujours défendre de la France, que la France est un bon joueur, un bon championnat aussi. Et tu regardes, nous jouons contre une City, qui c'est le deuxième du championnat, c'est une équipe qui fait un pari énorme, le coach, les joueurs, ils nous éliminent aussi. Et pour ça, ça c'est le moment aussi de dire que notre championnat, c'est très fort aussi, il a de bonnes équipes. You represent very well French football and the French Football League. Yes, 2 years ago we played the quarterfinals with Paris Saint-Germain, and this year we are here, but Paris Saint-Germain is eliminated. It's a pressure for us to represent our country, and I always defend the Ligue 1. France has a good team, good players, good coach, and when we see our results, we can show this and prove that Ligue 1 is a good championship. Coach, bonsoir. Vous l'avez dit, la première mi-temps de votre équipe a été incroyable de maîtrise. Est-ce que finalement vos joueurs vous ont surpris de par cette maîtrise incroyable en première mi-temps? Est-ce que vous avez été agréablement surpris par ce qu'ils ont montré en première mi-temps? Surpris, non, parce que j'entraîne les joueurs, je connais bien notre qualité. Je crois que beaucoup de personnes, avant cette match, quand ils savent que Glick n'est pas pour jouer, que c'est un titulaire, Falcao aussi, tout le monde pense à Monaco, pas de possibilité de qualifier. Non. Nous connaissons bien l'équipe. Il y a les autres qui jouent aussi, ils sont joueurs de qualité. Et ils nous réussissent bien, parce que notre objectif, c'est presser l'adversaire, comme nous fait le match aller. Nous fait 3 buts en Angleterre. Il nous fait les mêmes 3 buts. La différence, c'est aujourd'hui, nous fait plus attention à les coupes francs, nous fait plus attention à perdre de ballons. Et ça, c'est la différence de le but de l'adversaire. Parce que là-bas, l'adversaire fait 3 buts, un peu des coupes francs, les frappes là, les deuxièmes, sont choses qui n'est pas arrivé seulement de qualité, c'est un peu de chance aussi. Mais aujourd'hui, le Monaco fait les mêmes 3 buts. Et je crois que nous qualifions avec toute la justice. So your team did a very good first half,
it was a surprise for you. No, I'm not surprised. I'm the coach. I know my players. Before the game, a lot of persons think that without Falcao and Glick, it will be impossible to qualify. But in our squad, we have a lot of quality. And we succeed to score 3 goals in first leg, and today also, without these players. I think the difference was the details and mistakes we did in Etihad Stadium, and we don't do today. So it's a deserved win. Coach, can I do the English question? Coach, congratulations. I want to ask about the first 2 goals in the first half. It's quite the same pattern from the left flank, fast cross and pushing in. And did you find out some weakness in the defensive line of the Manchester City after the scouting? Nous savons très bien que City a monté un peu la ligne défensive, jouer contre la ligne défensive haute. Ils ont essayé toujours de jouer un peu pour la deux de la ligne défensive de City. Mais pas pour hasard que nous fait le but de Falcao là-bas, le but de Kylian, c'est un peu pour la deux de la ligne défensive. Et aussi le couloir, il n'est pas défendu très bien parce que les deux excentrés ils sont très bons offensivement. Sterling et Sané, mais défensivement, ils ne sont très costauds. Et nous aussi, ils savent que pour le couloir, nous pouvons faire mal avec le centre. Aussi, il n'est pas pour le hasard le but de Falcao là-bas, pour le centre de droite. Aujourd'hui, pour le centre de gauche, le but premier poteau de Kylian. Nous connaissons bien, nous analysons l'adversaire. Et nous essayons de toucher cette petite point faible. Donc la question par rapport au but marqué, le nombre de centres la multiplication des centres et les ballons en profondeur. Donc la réponse, yes, we try to play behind the defense because we know that City like to play with a high defensive line and from the on the each side too, because Sterling and Sané are attacking wingers and they didn't defend a lot. So we tried to cross and we scored in first leg with Falcao and today with Mbappé. We tried to create chances like that and we managed to do it. Oui, vendredi le tirage au sort. Est-ce qu'il y a une équipe que Monaco craint ou c'est plutôt les autres équipes maintenant qui doivent craindre Monaco? Je crois que plus la deuxième. Tout le monde veut jouer avec Monaco. Nous connaissons bien que toutes les équipes qui arrivent à quarts de finale sont l'équipe forte. Et même tout le monde peut penser que Monaco et Leicester sont les équipes plus faibles. Mais c'est comme ça, nous attendons pour les tirages au sort. Question about the draw on Friday. If Monaco is a good team for the others. Yes, I think that all the teams in the quarterfinal are great teams and strong teams. And I think they will believe that Leicester and Monaco are the best draw. So we'll see what happens on Friday. Thank you.